succès de l'année, c'est bien. Là, tu es bordelais, tu passes tes vacances au Pays Basque. Tout à fait. Oui. Tout ce qui est, se déguste, tout ce qui est bon de Didier est à ses côtés. C'est pas si souvent le cas. Pour un duo extrait d'un album 93, c'est l'œuvre de Victor Hugo qui retrace les guerres de Vendée. Voici un des thèmes forts de cet album, Anaïs et Didier Barbelivien, Les Mariés de Vendée. Sur les chemins de terre, sur les arbres écorchés, je t'attendais dans mes prières, dans le feu des bruyères, des soleils de janvier. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des tout premiers je t'aime. Sur les murs des villages, les nuits de la Saint-Jean, je t'attendais comme un rivage, quand un bateau naufrage au cœur de l'ouragan. Je t'attendais, je t'attendais, je t'attendais. Et les églises se souviennent des prénoms de baptême. Didier Barbelivien, je vous demande d'applaudir encore. C'est la première fois qu'il chante à la télévision, ce duo, qu'on entend déjà beaucoup à la radio.
Alors Didier, qu'est-ce qui t'a donné envie de composer un album, presque une fresque musicale sur les guerres de Vendée? T'es tombé sur le livre de Victor Hugo? Oui, non, je l'avais lu déjà quand j'étais adolescent, mais surtout c'était... j'ai voulu faire un disque de cap et d'épée, comme il y avait dans le temps des films de cap et d'épée, mmh, ou dans lesquels... Broca. Ou Jean Marais. Oui. Où jouait Jean Marais comme le bossu, comme le capitaine Fracasse et tout ça. Et Anaïs, dirigée par quelqu'un qu'elle connaît bien, qu'elle voit tous les jours, tous les soirs, tous les matins. Je ne suis pas sûre que c'est le truc qui lui ait fait le plus plaisir. C'est pas ça. Facile, ouais. Parce qu'on a toujours envie d'étonner. Et oui, et puis il est exigeant, et puis il est auteur, compositeur, chanteur, il a déjà fait... C'est formidable, là. Je ne citerai pas le nombre de chansons qu'il a écrites, il rougirait, mais ça mérite des applaudissements tout de même. Anaïs et Didier, merci. Les mariés de Vendée. Dernière partie de Star 90. Je suppose qu'on t'a mis l'eau à la bouche parce que...